Bonjour, bonjour à vous. Aujourd'hui, euh, je dois vous avouer que je ne sais pas très bien par quel bout prendre mon propos. Parce que s'intéresser non pas à l'Afrique, mais aux Afriques, d'une manière plurielle, vous voyez le titre 120 nuances d'Afrique, et en vérité, ce livre. Rassemble non pas 120 poètes, mais 129 très exactement. Euh, C'est vous inviter à voyager dans toute l'Afrique, du nord au sud, d'est en ouest, mais même au-delà du continent africain, là où les cultures africaines, au gré de l'histoire, ont essaimé. Donc nous parlerons aussi de ce qu'on appelle les îles Vanilles dans l'océan Indien. De la Caraïbe et même des États-Unis. Pour débuter mon propos, je vais vous demander de faire un effort de mémoire et de revenir en arrière. Nous sommes en 1948. Léopold Sédar Senghor publie un ouvrage qui va faire date et qui fait toujours date dans l'histoire des anthologies de poésie il publie en 1948 l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française. Le livre a connu d'innombrables éditions en France notamment et ce qui a contribué à le populariser c'est un texte de Jean-Paul Sartre qui servait de préface, un texte intitulé Orphée noir. Texte Sartre reprendra dans ces volumes d'essais rassemblés sous le titre Situation. 1948, lorsque Léopold Sédar Senghor publie cette anthologie, le monde le monde fête un centenaire, celui de l'abolition de l'esclavage, abolition qui a été rendue possible par le décret du 27 avril 1948. Décret qui finalement rend à l'homme noir sa dignité et qui, l'espère-t-on, le fait entrer dans une ère nouvelle. Avec euh, sa lucidité, Léopold Sédar Senghor fait remarquer dans cet ouvrage qu'un autre décret, promulgué exactement le même jour, instituait l'instruction gratuite et obligatoire dans les colonies. Donc deux décrets, l'un pour abolir l'esclavage, le 17 avril 1948 et le même jour, pour instaurer l'instruction gratuite et obligatoire dans les colonies, permettant à ce même homme noir, je cite Léopold Sédar Senghor, d'accéder non seulement à la liberté du citoyen, mais encore et surtout à cette vie personnelle que seule donne la culture. autant va bah, le dire euh, d'emblée, en tout cas c'est ce que je fais au seuil de, de ce livre dans la, dans la préface sur laquelle je m'appuie, euh, les marées d'équinoxe de la domination blanche n'ont pas cédé la place du jour au lendemain euh, aux grèves libérées de la liberté noire. ce n'est pas exactement comme cela que les choses se sont produites. et je veux dire par là que l'on voit bien avec la concomitance de ces deux décrets, euh, que finalement cette domination blanche s'est retirée degré par degré. Ça n'a pas été euh, ni un long fleuve tranquille, ni un retrait soudain et définitif. Et elles ont fait du colonialisme, au début, notamment à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, à la première moitié du XXe siècle je pourrais dire, un succès d'année de, de l'esclavage, simple compromis d'une histoire en marche ben dont nous sommes les uns et les autres, bien souvent, les témoins encore effarés. Il faut bien le, il faut bien le dire. Singor ne l'ignore absolument pas, il n'ignore pas cette problématique, mais il s'empare de ces deux décrets dont il fête le centenaire par son anthologie. Il s'empare de ces deux décrets comme d'une embellie, si vous voulez, qui, euh, ou comme d'un gouvernail pour célébrer des noces. Et les noces qu'il célèbre, ce sont les noces de la négritude et de la francophonie. Nous sommes des métisses culturelles, dit-il. Parce que si nous nous sentons, parce que si nous sentons en nègre, nous nous exprimons en français. Les choses sont très claires. Et Saint-Gore va développer, vous le savez peut-être, tout au long de sa vie, cette réflexion sur le métis culturel. D'autres plus insurgés que lui, à cette époque, disons au seuil des années 50 ou plus tard, verront dans la langue française autre chose. Ils verront par exemple dans la langue française le butin de guerre du colonisé. Le grand poète algérien Kateb Yassine, qui est présent dans cette anthologie, eh bien, dira, par exemple, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, j'écris en français pour dire aux français que je ne suis pas français. La formule est vraiment extraordinaire. J'écris en français pour dire aux français que je ne suis pas ou que je ne serai jamais français. C'est une formule extrêmement forte, et lui-même parlait de la langue française comme d'un butin de guerre. Alors, pourquoi ce préambule ben, Tout simplement pour vous dire qu'on ne publie pas de manière euh, anodine une anthologie des poésies africaines. On s'inscrit dans une histoire. Je n'entends pas, avec ce livre, remplacer celle de Léopold Sédor Senghor, pas du tout. Hein. Euh, chacun est à sa place. Mais nous nous inscrivons dans un débat, dans une aventure intellectuelle, humaine, historique, qui se méfie, là je parle en mon nom propre, d'abord qui se réjouit des progrès accomplis au cours de l'histoire, mais qui se méfie des régressions toujours possibles, des régressions qui se cachent derrière une porte, une hache à la main. Et chacun voit bien à quoi je, je peux faire allusion. Alors en 2017, nous ne fêtons pas un centenaire, quoique... Quoique en 1917, Guillaume Apollinaire et Paul Guillaume publiaient le premier album de sculpture nègre. Mais bon, ce n'est pas ce centenaire que nous fêtons. Nous, tout simplement, nous avons pris rendez-vous avec une fête, celle que le Printemps des Poètes instaure chaque année pour celles et ceux qui aiment la poésie. Et cette 19e édition du Printemps des Poètes nous invite à explorer, je cite Jean-Pierre Siméon, son directeur artistique, le continent largement et injustement méconnu de la poésie africaine francophone. Alors autant vous le dire tout de suite, moi j'ai pratiqué la désobéissance, puisque je ne me suis pas limité à la poésie francophone. J'ai dit à mes deux comparses, Christian Poslaniac et Nimrod, qui sont venus l'un et l'autre ici, non, non, on ne va pas... Euh, se limiter à la poésie francophone, Le, la langue française n'est qu'une langue parmi d'autres en Afrique. Et en Afrique, il y a des centaines de langues. Donc nous allons faire un effort pour aller à la rencontre d'autres territoires linguistiques. C'est une, euh, une entreprise impossible. Mais nous l'avons tenté et euh, nous avons euh, publié des auteurs qui se sont exprimés dans d'autres langues, j'y reviendrai dans, dans un instant. Jean-Pierre Siméon ajoute que cette poésie ou ces poésies africaines sont caractérisées, dit-il, par une oralité native, tributaire de la tradition des griots, et nourrie par ailleurs des poésies d'Europe. Il ajoute, dit-il, qu'elle offre des chemins neufs sur les terres du poème. Trouve l'expression très très belle et évidemment c'est une invitation au voyage. Et il ajoute encore ceci paroles libérées, rythmes imprévus, puissance des symboles, persistance du mythe. Écoutons le chant multiple des Afriques, du Nord au Sud. Il va de soi que cette exploration ne peut ignorer les voies au-delà du continent africain, des Antilles à la Guyane, de Madagascar à Mayotte, etc. Voilà fin de citation. Alors, l'Afrique, les Afriques. On le sait, le continent africain n'est pas une civilisation, ce n'est pas une seule civilisation, mais une mosaïque de civilisations où s'entremêlent ethnie, langue, culture, religion, arts, coutumes et qui varie d'une manière prodigieuse d'un territoire à l'autre, mais d'une époque à l'autre également. Et imaginez, puisque je vous montre des cartes, imaginez que nous superposions trois cartes d'Afrique indiquant ces données à 1000 ans d'intervalle, vous voyez, eh bien on se rendrait compte à quel point ce continent est mouvant, changeant, à quel point il se transforme. Euh, même si euh, le Sahara, le Kilimandjaro, le Grand Rift à l'échelle humaine à l'échelle humaine paraissent immuables. Au fond, nos nuances, nos 120 nuances d'Afrique, ont pour objectif de rendre compte de cette mouvance. Voilà. Alors elles le font euh, j'allais dire, et puis je m'arrêterai là, dans trois domaines d'abord, euh, sur le plan géographique, lorsqu'on regarde les frontières de l'afrique, les frontières des états africains, eh bien, on est évidemment étonné, sidéré de voir euh, les pièges que les frontières d'état font peser sur les, rep les représentations de ce continent et de ses populations. ce sont des frontières hérité de la colonisation et de la décolonisation. Alors nous, nous avons décidé de faire fi d'une carte comme celle-ci et de ne pas aller d'un pays à l'autre, d'un État à l'autre, mais d'un ensemble, d'une entité géographique à une autre entité géographique. Méditerranéenne, saharienne, sahélienne, guinéenne, éthiopique, australe, etc. Ce sont de grandes entités géomorphologique que nous avons appréhendés et non pas des pays et non pas des États. Douze chapitres, comme les douze mois d'une année, ou comme les douze haches qu'Ulysse a alignées dans sa demeure, vous savez, et qu'il a traversé d'une même flèche. Voilà. Seconde remarque l'épreuve qui est imposée par la question des langues d'Afrique que j'évoquais tout à l'heure nous a donné un peu le, le tournis. Alors, devant le champ des possibles euh, ou devant le champ de l'impossible, nous avons euh, fait le choix de l'ouverture. La langue française, elle est prépondérante dans cette anthologie, c'est vrai, parce que ses lecteurs seront des lecteurs francophones, mais euh, d'autres langues affirment, affirment leur présence par des traductions. Et je vous présenterai Aujourd'hui, des textes qui sont traduits de l'arabe, de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, du créole. Je n'aurai pas le temps de tout présenter aujourd'hui. Mais, mais aussi de l'amarique, du tingrinya, du tamazirt, de la langue berbère, et de la tamaja des touaregs. Il n'est pas tout à fait la même chose. Euh, du kiswahili, de l'afrikanse. Euh, etc. Et par cette diversité, ben, en fait, nous voulons dire très simplement quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire ici devant vous c'est que la langue française ne possède aucun cadastre et aucun titre de propriété. Et oui, elle est une langue africaine comme d'autres langues africaines. Et j'ajoute que dans mon esprit, D'anthologiste et d'amoureux de ses voyages à travers le monde en poésie, eh bien, euh, la langue française n'est pas le centre du monde francophone. Non. Pour une bonne et simple raison, c'est que le monde n'a pas de centre. Troisième point il est pour moi très très important et je pense que bon nombre d'entre vous ne me contrediront pas. En 1948, quand Léopold Sédar Senghor publiait son anthologie, eh bien, Orphée Noir, c'était Orphée. Et oui, ce n'était pas Eurydice. Vous voyez, c'était un homme. Et lorsqu'on regarde... Euh alors Orphée, c'est aussi celui, bien entendu, et ça Sartre, il y a eu de longs débats sur cette question, mais c'est aussi ce personnage de la mythologie qui défie les Enfers. Et donc il défiait Orphée noir défiait les Enfers de la domination blanche et revenait à la vie. Entendez à la liberté. La métaphore est magnifique, mais c'était Orphée et non pas Eurydice. Et lorsqu'on regarde les noms des peut-être 15 ou 16 poètes présents dans cette anthologie formidable, qu'est cette anthologie de Singor, eh bien c'est Gilbert Gracian, Aimé Césaire, Guy Tyrolien, Paul Niger, Jacques Roumain, René Bellance, Birago Diop, Léopold Sédar Senghor lui-même, Jacques Rabé Manandjara, etc. Il n'y a que des hommes. Pas une seule femme dans cette anthologie, on en comprend les raisons. On en sait les raisons, je n'ai pas besoin de l'évoquer, mais des hommes qui chantent les femmes comme personne. Alors nous, nous pensons que ça ne suffit plus, ça ne suffit pas, que le temps a passé, que la roue du temps a tourné, et que euh, à Orphée noir eh répondent des Eurydices noirs, métisses, blanches aussi, des Eurydices qui se lèvent de toutes les régions d'Afrique dans un mouvement sans précédent, et qui se font entendre dans cette anthologie. Alors ne me demandez pas si nous avons réussi la parité. 129, c'était impossible. Ça ne se divise pas par deux. Mais derrière cette boutade, il y a le fait quand même, je vais le dire, que non, nous n'avons pas réussi à avoir une totale parité, je, je l'aurais bien voulu, mais c'était une chose très très difficile. Et parfois, il a fallu faire des recherches vraiment approfondies pour trouver, dans certains territoires africains, des voix de femmes affirmées, c'est-à-dire des gens qui ont déjà publié. Car comment découvrir la poésie de quelqu'un qui n'a jamais publié Ça, vous voyez, c'est extrêmement difficile. Alors, euh, ces euridis, eh bien, elles osent. Elles osent, elles aussi. Hein. Et comme Orphée, elles ont aussi des ailes qui leur permettent de franchir murs et frontières, et puis également voiles et interdits. Et ce n'est pas rien. Voilà. Donc je tenais à évoquer ces, ces trois points. Et nous allons maintenant débuter notre voyage, et nous allons le faire en Méditerranée. Alors, la Méditerranée, on va d'abord s'intéresser un peu... Au vocabulaire, la Méditerranée, c'est en réalité, sur le plan des cultures, quatre Méditerranées. Il y en a quatre. Il y a la Méditerranée latine, à laquelle nous appartenons, avec euh, nos voisins italiens, espagnols, portugais. Il y a la Méditerranée balkanique, la Croatie, euh, jusqu'à la Turquie. La Grèce en fait partie. Il y a la Méditerranée orientale, avec tous les nombreux pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Et puis il y a la Méditerranée africaine. Cette Méditerranée africaine, c'est cinq pays, bien sûr, de grandes cultures, qui bordent les rivages méditerranéens donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, et vous remarquerez que c'est géographiquement d'est en ouest très très circonscrit par deux, deux passes étroites. D'un côté le détroit de Gibraltar, qui relie cette mer au milieu des terres, c'est ça étymologiquement la Méditerranée, c'est la mer au milieu des terres, qui relie cette mer au milieu des terres à l'Atlantique et à l'Europe. Et puis à l'est, c'est un autre passage. Celui-là, il est artificiel, il a été creusé par les hommes, c'est le canal de Suez, mais qui va relier, enfin qui va opérer la jonction avec la mer Rouge et le Moyen-Orient. Et puis, du nord au sud, la limite de cette Méditerranée orientale, c'est le désert, dont nous reparlerons tout à l'heure. Alors, moi j'appelle ça l'Afrique la Méditerranée, méditerranéenne. Mais dans l'histoire, on a tenté bien d'autres noms. Hegel, le philosophe allemand, appelait ça l'Afrique européenne. Eh oui, Afrique européenne. C'était étonnant. Comme si, voilà, un continent pouvait appartenir à un autre continent. Alors évidemment, là, il y a. Les ressorts du colonialisme et puis d'une certaine vision du monde. Mais on a parlé également d'Afrique blanche, par opposition à l'Afrique noire. Tous ces qualificatifs ont leurs limites, hein, vous, vous l'entendez bien. On a parlé aussi d'Afrique gréco-romaine, en référence évidemment aux vestiges antiques qui sont extraordinaires dans cette région du monde. On a parlé de Maghreb arabe. Alors Maghreb arabe, ça exclut évidemment les pays qui sont les plus à l'est, puisque le Maghreb c'est le pays, ce sont les pays du soleil couchant. Donc ça exclut l'Égypte par exemple. Et puis ça exclut aussi. Alors on a parlé du Maghreb arabe quand on rêvait d'une union politique géostratégique, hein, évidemment. Euh... Mais ça exclut la culture berbère, qui est tellement prépondérante dans cette région du monde. Alors on a parlé aussi d'Afrique amazirte, mais euh, c'est oublié que c'est aussi une Afrique arabe, dans cette euh, tension qu'il y a entre ces deux cultures, et puis c'est oublié aussi que la culture amazirte, berbère, elle va bien plus bas dans le sud. Elle va jusqu'en Mauritanie, elle va au Niger, elle va au Mali, avec le monde Touareg. Donc vous voyez, aucun de ces qualificatifs ne fonctionne euh, parfaitement. Alors, moi, je préfère parler la langue des poètes et vous dire que cette euh, Afrique méditerranéenne est vraiment une terre de poètes extraordinaires. Nous n'en avons retenu qu'une douzaine, une dizaine dans ce chapitre, mais on aurait pu en mettre 100, 120, 120 nuances de poètes de cette région. C'est une euh, région euh, où prévalent. La diversité des langues, principalement l'arabe et ses variantes, ses dialectes régionaux ou nationaux, le tamazirte et ses variantes, et puis le français. Mais d'autres langues, on en reparlera peut-être. Et face au déchirement que connaît aujourd'hui la Méditerranée, eh bien, la poésie apparaît, je crois, comme un territoire de paix. Ça, c'est vraiment important. Donc, nous avons choisi des auteurs qui le disent. Et qui disent aussi l'importance de la culture. Et je voudrais terminer cette présentation un peu longue sur la phrase de Paul Valéry. Alors, Paul Valéry, il n'est pas africain, mais il dort en face de l'Afrique. Si vous allez à Sète dans le cimetière marin, vous verrez que sa tombe domine le cimetière marin, et donc il a la vue sur le grand large et le sud. Et il disait cette phrase qui est très belle Croire à la parole humaine, parlée ou écrite, est aussi indispensable aux humains que de se fier à la fermeté du sol. Voilà, je trouve ça formidable. Hein, je la répète Croire à la parole humaine, parlée ou écrite, est aussi indispensable aux humains que de se fier à la fermeté du sol. Alors, j'ai choisi de vous présenter deux auteurs rapidement rapidement et je choisis un texte publié à Nantes. Publié à Nantes par Luc Vidal aux éditions du petit véhicule l'an dernier. Peut-être connaissez-vous cet éditeur et ce livre. Si ce n'est pas le cas, achetez-le, c'est magnifique. Amina Saïd, c'est une grande voix contemporaine de la poésie tunisienne. Euh, et clairvoyante dans La Ville des aveugles, 17 poèmes pour Cassandre. Le titre est extrêmement fort, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce, ce texte. Je n'ai pas choisi de naître, mais je dois accepter et la vie et la mort. Je n'ai pas choisi le jour, l'heure, le lieu ou l'époque de ma venue au monde, ni choisi le nom que je porte, ou mon sexe, ou la couleur de mes yeux. Mais faire des prédictions, cela je l'ai voulu. J'espère et désespère dans le même temps. Je fais des rêves étranges qui chassent le sommeil. J'ai des moments de long silence, puis les mots se bousculent sur mes lèvres. Il est pénible de n'être pas entendu. Ma parole n'est pourtant pas trompeuse, elle est dans la douleur du monde. Il me faut garder une vision limpide, parler le langage de l'âme qui est lumière et sagesse, sans quoi la stupeur et le désarroi me rendront muette à jamais. Je suis née femme, ma parole est dans la douleur du monde. Voilà, Amina Saïd. C'est particulièrement beau et elle appartient à cette génération de femmes de l'Afrique méditerranéenne qui sont tellement importantes, surtout aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'en expliquer les raisons. Mais elles sont évidemment euh, l'avenir de, de ces civilisations. J'aurais pu choisir un texte de Rachida Madani, marocaine. J'aurais pu vous parler de Joyce Mansour, cette grande voix de la poésie égyptienne, flamboyante, d'une sensualité, d'un érotisme extraordinaire, dont l'œuvre est publiée aujourd'hui aux éditions Actes Sud. Mais voilà, elles sont très présentes et je voudrais vous lire encore un très court poème d'un poète que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Festival de Sète il y a quelques années, Mohamed Zidane. C'est un texte que nous avons fait traduire de l'arabe. Et il est considéré, Mohamed Zidane, il est né à la, à la, au milieu des années 60 en Libye. Vous savez, les poètes, les écrivains libyens, on ne les connaît pas bien. Euh, on ne les connaît pas bien. J'en profite pour, pour citer le nom d'un immense romancier libyen, arabophone, euh, Touareg d'origine, aujourd'hui depuis longtemps exilé en Suisse, qui s'appelle Ibrahim Alconi Al Alors si vous ne le connaissez pas, euh, lisez-le, c'est vraiment une très très grande voix de cette culture du désert. Et là, je donne la parole à Mohamed Zidane. Rien n'excepte l'eau. Un autre poème est censé être ici. Une goutte d'eau est tombée sur la feuille. Alors mon poème a tressailli, dégagé son corps mouillé et sauté par la fenêtre. Qui parmi vous croise un poème qui court, terrorisé et pieds nus dans la rue, et l'amabilité de me le rendre. Voilà. J'aime beaucoup ce, ce texte et je lui trouve une écriture un peu comparable à celle des écrivains iraniens que je publie, des jeunes auteurs iraniens que je publie, qui utilisent volontiers la dissimulation, le double ou le triple sens, qui sont dans une subtilité qui leur permet à tout moment d'esquiver la censure ou pire encore une arrestation. Voilà, en tout cas, nous sommes là dans une écriture subtile, allégorique, euh, que j'avais envie d'évoquer. Nous allons descendre vers le sud, vers ce grand Sahara. Et voilà, je pourrais m'y arrêter longtemps. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'invitation de Georges Farjas, j'avais donné sur le Sahara cette conférence il y a une dizaine d'années. Alors. Bon là je vais me contenter de 7 minutes, ça va être vraiment difficile mais j'aurai beaucoup de choses à vous dire. D'abord on peut parler de ce Sahara qui est un personnage à lui seul, qui habite bien des littératures. À l'est il y a, vous le voyez, les rives du Nil et le désert blanc d'Égypte. À l'ouest il y a l'étroite bande du littoral atlantique où viennent mourir les sables du Maroc et du Sahara occidental, et de la Mauritanie. Au nord, il y a les hautes montagnes de l'Atlas, qui sont très proches de la côte, quelques dizaines ou centaines de kilomètres. Les hauts plateaux, et puis donc les lisières de la côte méditerranéenne. Et au sud, alors comment ça se passe au sud Comment ça s'arrête, le Sahara ben, Ça ne s'arrête pas vraiment, en fait. Ça se transforme. Ça se transforme d'une manière indicible, très progressive, et le marqueur, c'est la végétation. C'est l'apparition des arbustes épineux, des, du cram-cram, euh, donc d'une végétation qui a su s'adapter et qui, peu à peu, nous emmène vers le Sahel, vers la savane, etc. Et qui est un territoire en constante transformation, et là, je fais bien entendu référence à la désertification, qui progresse de façon extrêmement rapide dans cette région d'Afrique. Alors c'est là, dans ces frontières que j'ai un peu tenté de définir, mais de part et d'autre du tropique du cancer, que s'étend le plus grand désert du monde, 8 millions de kilomètres carrés. 8 millions de kilomètres carrés. La France, c'est 550 000. Hein voilà. Euh Dix pays d'Afrique traversés par le, par le désert du Sahara. Dix pays. Des ergues immenses, mais le sable ne représente que 30% de la surface du Sahara. Le reste, c'est la caillasse, le caillou, le reg. Des montagnes, des montagnes importantes. Et puis, des entités géographiques aussi distinctes que le Hogar. Le Tibesti, l'Enédi, le Grand Erg occidental, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler ici, le Tanesrouf, le Ténéré, etc. Alors, oui, le Sahara, c'est bien cet espace vide et nu, au sol, sans végétation, je crois que je cite Hérodote là, euh, qu'ont décrit les géographes de l'Antiquité, ou bien alors, Hérodote, Pline, Strabon, euh, ou bien les, les grands voyageurs arabes. Comme euh, Idrisi, Ibn Battuta, Léon l'Africain, mais aussi les poètes pré-islamistes, ne les oublions pas, pré-islamiques, ne les oublions pas, ça, euh, ils sont extraordinaires et c'est vraiment intéressant de, de les lire aujourd'hui. Alors, on pourrait se dire, bah oui, donc c'est le territoire de la stérilité minérale ou euh, les territoires de l'absence, mais non, mais non, parce que, bien entendu, des peuples vivent dans ces contrées. Des peuples qui ont développé des civilisations originales avec des capacités d'adaptation extraordinaires. Alors, ces peuples, quels sont-ils Eh bien, ce sont les Toubous, euh, les Touaregs, les Sahraouis, les Maures, ceux qu'on a appelés les seigneurs du désert, qui sont souvent de simples pasteurs nomades, euh, des hommes libres souvent sédentarisés aujourd'hui, mais qui sont les dépositaires d'un patrimoine culturel unique. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, voyez, cette carte, elle est presque blanche, mais quand vous regardez les cartes du monde du 19e siècle, c'est comme ça qu'était représenté le Sahara. C'était une tache blanche à la surface du monde. Eh bien, aujourd'hui, sur la carte des littératures du monde, c'est aussi une tâche blanche, car qui connaît véritablement les poètes de cette région du monde, de ces dix pays, de ces dix États aujourd'hui On les connaît mal, et donc cette anthologie, elle a pour vocation de tenter de faire découvrir un certain nombre d'auteurs de, de, de ces régions. Voilà. Alors, je vais vous en faire découvrir quelques-uns, et les choix étaient difficiles. Et je commence par la génération ou la génération de la Mistad. Oui, ce sont des auteurs nés dans les années 60, 70, 80, qui nous viennent du Sahara occidental et qui sont des auteurs de langue espagnole, qui ont connu la guerre dans leur enfance qui ont connu les camps de réfugiés de Tindouf, à la frontière algérienne, qui ont connu la main tendue par l'Espagne, mais surtout par Cuba, et qui, pour certains, ont obtenu des visas pour fuir la guerre et pour euh, trouver refuge dans la Caraïbe, en Amérique latine, en Espagne, et pour certains d'entre eux, à Cuba. Ils sont revenus dans leur pays, ils sont aujourd'hui de simples citoyens, parfois des enseignants, des éducateurs, des écrivains. Et j'ai tenu à ce qu'il y en ait au moins deux dans cette anthologie Lou Ali Lechane, à gauche, et puis une femme, Zahra Asnaoui, à droite, l'un et l'autre, appartenant à cette même génération. Tiris, dont le nom figure en tête du premier poème. Vous arrivez à lire, ça va? C'est assez. Oui, c'est trop petit. Alors vous allez devoir m'écouter. Euh, eh bien, Tiris, c'est le nom d'une ville dans le Sahara occidental, et euh, la poésie là bas n'est pas anecdotique, elle est euh, l'âme de ce territoire. Car ce sont, moi je vous parle là vraiment de régions euh, de, de poètes. On dit parfois que lorsqu'on lance une sandale en l'air à Téhéran ou à Bagdad, elle retombe forcément sur la tête d'un poète. Ben, C'est exactement la même chose pour la Mauritanie et le Sahara occidental. Exactement. « Tyris, je veux fuir du ventre de cette nuit étrangère, dormir d'un sommeil sans printemps retardé, sans clause de pardon suspendu, et me réveiller dans ton ventre, Tyris. » Épouvanter la solitude avec un éventail de vers que ton immensité inspire, vider mon âme dans la bonté de ton âme, retraverser la mémoire de l'univers dans la poésie de tes paysages, écouter l'écho de tes montagnes, la gloire de l'enfance du monde, le galop d'une caravane sur la face cristalline de tes plaines, et sentir la paix que les dieux en leur bonté gravèrent sur ton visage, ton visage de mer. Où les vagues se figent. Très beau poème. Hein Et tout le mérite en revient aussi à l'éditeur, un éditeur qui se trouve dans la région lyonnaise, à Lyon, je crois, les éditions du Tilde, l'atelier du Tilde, qui a décidé de, de faire traduire cette poésie de la Génération de la Amistad. C'est paru il y a quelques mois seulement. Moi, j'ai découvert ce livre en lecteur lambda. Euh, en furetant en librairie, je m'en suis emparé et je l'ai absolument dévoré. Et je voulais vraiment qu'au moins deux textes soient présents dans cette anthologie. Voilà. Euh, Zahra Asnaoui, Champ de blé. Les vers se taisent, l'âme crie devant la beauté splendide, le berceau pimpant. Je voulu profiter planter la semence dans le désert des déserts. Je me vis maudire le dieu de la pluie, la terre avare et l'embuscade qui me fit tomber dans l'absence d'une telle beauté. Les vers crient, l'âme se tait. Deux très beaux poèmes qui ont vraiment une dimension géopolitique très intéressante. Elle est sous-jacente, et puis il y a l'évocation des paysages. Le désert. J'aime beaucoup dans le premier poème ce dernier vers, ton visage de mer où les vagues se figent. Et quand on va dans cette région, c'est l'impression que l'on a. En Mauritanie, par exemple, vous êtes dans le désert et vous êtes au bord de la mer. C'est comme ça d'ailleurs que Théodore Monod est passé d'un désert à l'autre. C'est en allant explorer la côte euh, et notamment les crustacés qui étaient son objet d'étude. Euh, au large de la Mauritanie, qu'il est passé du grand désert marin au grand désert de sable, et qu'il a fait de la Mauritanie son diocèse, comme il le disait. Voilà. Je poursuis avec deux autres voix de, du désert. Alors deux autres voix qui sont, qui appartiennent à des cultures différentes. Un poète touareg, un poète touareg de langue française. Le voici en photo en France lors de l'unique visite qu'il a pu faire après avoir publié un recueil j'avais eu l'occasion de présenter ce poète dans le livre des déserts et ensuite un, un éditeur qui a malheureusement mis les clés sous la porte les éditions Transborder à Marseille ont publié un recueil intitulé Jour et nuit sable et sang poèmes sahariens alors le livre est introuvable aujourd'hui Malheureusement. Vous voyez, une anthologie, ça sert à ça aussi. Ça sert à sauver comme ça des, des petites merveilles, des textes. Alors, Rissa Rosset, autant vous raconter, puisque je... ma liberté aujourd'hui, c'est de pouvoir vous raconter des histoires. Euh, comment je l'ai rencontré Puisqu'il n'avait jamais à l'époque publié le moindre poème en France et, et même au Niger, je crois. Alors, je l'ai rencontré en faisant un trek dans le Ténéré. Euh, J'étais là, euh, avec, dans une randonnée chamelière, voilà, un peu touristique. Et puis, comme on était une dizaine de Français, trois, quatre chameliers euh, Touareg, eh bien, on, la caravane s'égrenait, je marchais souvent devant, avec un chamelier qui était un garçon extrêmement silencieux, mais qui, de temps en temps, parlait dans son chèche, marmonnait dans son chèche, ce que je pensais être des prières. Et puis je lui dis Mais c'est quoi qu -ce Qu'est-ce qu que tu racontes Des sourates du Coran Qu'est-ce que c'est Et lui me dit Non, non, c'est des poèmes. Des poèmes. Et les poèmes chez les Touaregs ont une triple fonction. Ce sont parfois des petites devinettes ce sont des gazettes qui permettent de colporter des informations. On va raconter sous forme d'un poème quelque chose qui s'est produit au nord du territoire, et par le poème, on va le raconter. Et puis aussi, le poème, un peu comme chez les Inuits, le chaud et le froid, là, se ressemblent un peu, ce sont des poèmes qui servent dans des joutes, des espèces de joutes slamées, un peu comme du slam, à régler des différends. Plutôt que d'aller devant un juge, ou plutôt que d'en venir aux mains ou à la machette, eh bien, on va s'apostropher par la poésie, et on va régler des conflits par le poème. Donc c'était très intéressant. Moi je m'intéressais déjà à ça, et puis je lui dis mais tu me montrerais tes poèmes Et là tu je, je comprends que ce chamelier ne sait ni lire ni écrire. Et puis on continue à discuter, puis il me dit oh, mais moi tu sais moi je suis pas un poète, mais mon cousin c'est un grand poète. Enfin de toute façon dans ma famille ce sont que des poètes. Alors j'ai pris le nom de son cousin, et puis l'année suivante je me suis écarté de la piste et je suis allé à sa rencontre et donc je suis arrivé à tirozerine. tirozerine, c'est un village qui se trouve au nord d'agadez, à la tombée de la nuit, aux portes du désert, hein, dans un habitat semi-sédentarisé, c'est-à-dire qu'il a construit une maison en, en pisé, en terre, mais qu'au euh, centre de la maison il y a la tente touareg. et ils m'ont fait l'honneur de, de m'offrir la place Qu'est la tante touareg à l'intérieur de, de la maison. Voilà. C'était une rencontre très forte. Et Ensuite, bien, des poèmes publiés dans des revues, dans le livre des déserts ce livre publié à Marseille, et ce poète que vous voyez qui a eu l'occasion de venir en France. Ce garçon qui s'appelle Rissa Rosset, dans les années 90, a participé à la rébellion touareg. Il a connu 18 mois de prison. Euh, ce n'est pas rien. Il a été un compagnon de lutte de Mano Dayak, voilà. à une époque où euh, la cause de Touareg n'était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, vous savez que l'histoire s'est beaucoup euh, transformée, qu'il y a eu euh, les liens avec euh, la Libye de Kadhafi, etc., et puis ensuite euh, Al-Qaïda au Maghreb, Acme, etc., bon. Voilà, n'entrons pas dans, ces, dans cette histoire et faisons entendre ce très beau poème de Rita Rosset. Pas de nom. Non, frère d'outre-mer, surtout pas de nom. Je ne suis pas le fils du vent et des nuages. Je suis le fils de la fange, de la fange stérile et rouge, sable, montagnes et pierres. Je suis le fils de la terre maternelle. Silence, oublie. Mépris. Je suis le fils des douleurs éternelles. Non, frère, je ne suis pas. Je ne suis plus le Seigneur du désert, mais l'esclave des horizons nus. Un texte porteur d'une forme de désespérance, évidemment. Et je crois que ce texte date de la fin des années 90, en fait, début des années 2000. Aujourd'hui, sa désespérance est, je crois, plus grande encore parce qu'il n'y a plus de touristes. Donc, dans cette région, même l'aéroport, je crois, d'Agades a fermé. On connaît cette histoire, elle est, elle est tragique pour ces populations. Et pour un garçon comme Rissa Rosset, qui a une cinquantaine d'années, vous hein, voyez, eh c'est une histoire terrible parce que l'absence de fréquentation de poètes français, lui qui a fait le choix de la langue française, c'est très très important. Il pourrait écrire. Euh, euh, dans la langue des Touaregs, la Tamaja des Touaregs. Non, non, il fait le choix d'être un poète d'expression française. Eh bien, il est abandonné aujourd'hui complètement. Enfin, il se sent totalement abandonné. Voilà. Et puisque le fait qu'il n'y a plus de touristes, les livres ne circulent pas, enfin, vous voyez, c'est assez compliqué. Et puis, essayer d'obtenir un visa pour le faire venir ici pour le printemps des poètes, euh, ce n'est pas simple. Hein pas, pas du tout. Voilà, à côté de lui, enfin à côté de lui, le texte qui se trouve à côté, alors je ne résiste pas à l'envie de vous en parler parce que le nom de ce poète c'est Legbir. Legbir Old Hamed Old Abidin Old Mohamed Old Edar. C'est son nom. Et c'est le nom d'un garçon, enfin d'un homme qui doit, je pense, avoir à peu près mon âge. Qui est le cinquième, il appartient à une lignée de poètes, il est la cinquième génération d'une lignée de poètes qui ont révolutionné la poésie en Mauritanie. Là aussi, on doit cette découverte à une publication qui a été faite à Nouakchott par un éditeur qui a fait un livre magnifique. La maison s'appelle Les Trois Acacias, j'ai pu me procurer ce livre, très très beau livre. Et les trois acacias, cette maison d'édition, raconte l'histoire de cette lignée, cette lignée qui euh, eh bien, euh, débute euh, au début du, à la fin du XIXe siècle, avec donc euh, l'ancêtre de ce poète. Et euh, depuis, cinq générations, eh bien, on est poète, mais pas simplement de père en fils, les cousins, tout le monde. Enfin, C'est une, voilà, une communauté de poètes. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté eh bien, ils ont désenclavé la poésie mauritanienne de son rapport à la prière et à la musique. C'est-à-dire qu'ils ont émancipé la poésie, ils lui ont donné sa forme littéraire. J'avais dit sept minutes, pardonnez-moi. Je vous lis ce texte, heureusement il est court. Et nous avons eu de grandes discussions pour savoir s'il fallait le garder. Moi j'étais pour. Un de mes deux camarades trouvait ce texte... Pas folichon. Et puis l'autre lui disait, mais si, c'est. Au contraire, il est magnifique parce que c'est vraiment euh, l'essence même de la poésie du désert. Ce qui était aussi mon avis, et démocratiquement, nous l'avons euh, choisi. Gazelle en l'honneur d'une petite dune. Par ton nombril, je le jure, ô toi, s'il t'a emporté, ô toi le vent, et si la saison s'est faite hiver, j'ai passé devant toi tant de fois par un bel amour les pieds liés que le vent fasse ce qu'il voudra de toi, petite dune, après tout ça. La petite dune étant le lieu où les amoureux cherchent un endroit de quiétude. Alors, nous allons poursuivre notre voyage et nous allons à grands pas en direction du Sahel, de l'Afrique noire. Et nous allons, pour le Sahel, écouter un poème de Léopold Sédar Senghor, disque 1, plage 10, prière au masque. Au oh, masque Masque noir, masque rouge Vous, masque blanc et noir Masque aux quatre points D'où souffle l'esprit Je vous salue dans le silence Et pas toi le dernier ancêtre oh, à tête de lion Vous gardez ce lieu fort clos À tout rire de femme À tout sourire qui se fane Vous distillez cet air d'éternité où je respire l'air de mes pères. Masque en visage sans masque, dépouillé de toute fossette comme de toute ride qui avait composé ce portrait, ce visage mien. Penchez sur l'autel de papier blanc à votre image Écoutez-moi Voici que meurt l'Afrique des empires C'est l'agonie d'une princesse pitoyable Et aussi l'Europe À qui nous sommes liés par le nombril Fixez vos yeux immuables sur vos enfants que l'on commande, qui donnent leur vie. Comme le pauvre, son dernier vêtement, que nous répondions présent à la renaissance du monde. Ainsi le levain qui est nécessaire à la farine blanche. Car qui apprendrait le rythme au monde des fins, des machines et des canons. Qui pousserait le cri de joie pour réveiller Morts et orphelins à l'aurore? Dites, qui rendrait la mémoire de vie à l'homme aux espoirs éventrés? Ils nous disent, les hommes du coteau, du café, de l'huile, ils nous disent, les hommes de la mort. Les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur, en frappant le sol dur. Masque au oh masque, masque noir, masque rouge, vous masque blanc et noir, masque aux quatre points, d'où souffle l'esprit, je vous salue dans le silence, et pas toi le dernier, ancêtre à tête de lion. Il s'agit d'une interprétation d'un musicien qui s'appelle Bernard Ascal. Euh, c'est un double album sur euh, les chants de la négritude qui est paru il y a quelques années. Et si je vous le fais écouter, ce texte de Léopold Sédar Senghor, c'est parce que Bernard Ascal est en ce moment même en train de mettre euh, la dernière main à un autre album qui va paraître dans un mois, euh, dont le titre est annoncé sur un marque-page que vous pourrez prendre en partant euh, et dans lequel. Euh, il a également mis en musique des auteurs que j'ai publiés, comme Abi Janine, la poète algérienne, ou une poète du Burundi dont je vous parlerai tout à l'heure. Deux mots sur le Sahel. Là aussi, on entre dans un immense territoire d'écrivains. Euh, Sahel euh, est un mot arabe qui signifie rivage. Et euh, le Sahel, c'est cette euh, immense... Territoire qui est au contact du Sahara et de l'Afrique noire. Nimrod, dans la courte introduction qu'il a donnée à ce chapitre, fait remarquer que les poètes sahéliens sont griots, mémorialistes, musiciens, éleveurs transhumants ou sédentaires, bâtisseurs de grandes cités, Citer Kano, par exemple, la capitale du Soudan tchadien, mais aussi euh, plus au nord des villes comme euh, Djéné, Agadez, Mopti. Voilà. Qui sont-ils, ces poètes Alors, dans notre anthologie, eh bien, euh, Léopold Sédar Senghor euh, du Sénégal, euh, Birago Diop du Sénégal. Euh, J'aurais voulu que l'on publie David Diop, mais on a dû. Faire des choix, et on a laissé de côté ce poète que j'adore. Diede Kumba, Diacate, du Sénégal également. Frédéric Titinga, Nimrod lui-même, euh, poète qui est venu ici et qui est originaire du Tchad, et dont je vous reparlerai tout à l'heure. Ou bien Sylvie Kandé, Sylvie Kandé, qui est franco-sénégalaise, qui vit aujourd'hui, je crois, aux États-Unis, et dont les romans où les livres de poésie sont publiés aux éditions Gallimard et que je vous recommande. Et puis, je ne résiste pas à l'envie de vous dire, eh bien, dans ce chapitre, nous n'avions que peu de voix de femmes. Et j'ai téléphoné, j'ai envoyé un mail plus exactement, au centre Jean-Rouge de Niamey, au Niger, en leur disant, mais est-ce que vous connaissez, donc j'ai eu la directrice de ce centre, est-ce que vous connaissez connaissez des voix de femmes, de jeunes filles qui publient de la poésie, qui écrivent de la poésie. Et donc, on m'a mis en relation avec une jeune étudiante en médecine qui vit à Niamey et qui écrit ses premiers poèmes, qui va publier probablement au Québec un recueil, et qui m'a envoyé des poèmes inédits. Et j'ai envie de vous lire une partie de ce poème de celle qui signe Adèle Barry et qui s'appelle Adèle Fatoumata bari Et quand elle m'a envoyé il y a quelques semaines, quelques mois, ces euh, poèmes, c'était en me disant euh, Monsieur, j'écris pour les femmes déchues de mon pays. Elle, non, elle a dit pour les femmes déchues de ma communauté. Et le texte s'appelle Les Déchus. J'ai choisi un extrait d'un long poème. Que l'imam prie, que le prêtre jeûne et que l'athée dorme. Quelle importance Chacun voit son Dieu dans le ciel, il lui parle en silence, il lui crie ses souffrances. Gardez vos croyances dans vos âmes et aimez-vous, pardon, dans les tombes. Vous êtes tous poussière. Et puis, un peu plus loin, à la fin de ce poème, j'ai vu mon frère offrir sa femme pour payer la traversée. J'ai vu ma sœur... S'ouvrir à l'inconnu, j'ai vu le viol consenti pour fuir le dénouement. La voix libératrice s'est tue, depuis je maudis le langage du silence. Voilà, et là, 26 ans, 25 ans. C'est probablement la première fois qu'un quelques vers de cette jeune femme sont lus euh, en France, en Europe. Donc ce que veux je veux dire aussi, c'est voilà, faire le choix parfois de laisser de côté un poète confirmé, comme David Diop, ça m'a fendu le cœur, mais pour pouvoir intégrer la voix d'une jeune femme qui peut-être n'écrira pas d'autres livres, mais peut-être aussi deviendra écrivain, s'affirmera, et en tout cas, des textes comme celui-ci sont faits pour être publiés, je, je le pense. Alors, nous allons... Parce que le temps passe, renoncer à la deuxième chanson que je voulais vous faire entendre et euh, avancer plus avant en direction d'un territoire où j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à découvrir les poètes. Il s'agit de ce chapitre intitulé Éthiopique. Alors, Éthiopique, quelques mots pour euh, ouvrir euh, mon propos. Et puis, cette carte. Alors, éthiopique, évidemment, le nom, je crois, résonne d'une charge mythique. Ce nom est porteur d'une charge mythique, symbolique, extrêmement forte, dont je voudrais brièvement parler. Il me semble que certains vont y voir une allusion à l'œuvre. Dans laquelle Léopold Sédar Senghor, auteur d'un recueil intitulé Éthiopique, euh, a célébré le berceau culturel de l'humanité qu'est l'Afrique. Et son regard était tourné vers l'Éthiopie et vers la reine de Saba, qu'il considérait comme la mère de la négritude. D'autres vont plus spontanément songer à Rimbaud et son voyage en Abyssinie. Évidemment, Dieu sait que ça a habité des générations de Français, de jeunes Français et de Françaises, d'étudiants en littérature, cette figure de Rimbaud qui cesse d'écrire pour partir vivre, brûler sa vie sur les chemins d'Afrique jusqu'en Abyssinie et mener cette vie aventureuse qui lui a permis de se frotter à l'écorce rugueuse de l'existence. D'autres vont songer aux aventures de Corto Maltès, n'est-ce pas Dessinées avec tellement de talent par Hugo Pratt. Ou bien encore aux tribulations d'Henri de Montfred. Là aussi, une lecture que je vous recommande. C'est vraiment passionnant. Et puis, moi, j'ai une passion pour quelqu'un que l'on connaît moins que Théodore Monod ici, mais qui est Wilfred Tessiger, le lord britannique, le grand explorateur de cette région du monde. Celui qui a réussi à vivre, il y a plus de 50 ans... Hein avec euh, euh, les peuples de ces régions alors qu'à un moment donné les occidentaux ne pouvaient pas y pénétrer. Et puis je crois qu'il sera toujours, même peut-être parmi vous, hein, un lecteur ou un auditeur ou une auditrice avisée pour dire eh bien, que l'usage le plus ancien du terme Éthiopie remonte aux épopées d'Homère ou à Hérodote qui nommait les Noirs Éthiopiens. C'est-à-dire les gens brûlés par le soleil. Alors, en fait, ce n'est pas simplement à l'Éthiopie que je consacre ce chapitre, que nous consacrons ce chapitre, mais à la corne de l'Afrique. Donc, cette péninsule que vous avez sous les yeux, je n'ai pas besoin de la, de la décrire, mais quand même, c'est une corne de rhinocéros, non hein C'est ça, c'est pour ça qu'on l'appelle la corne de l'Afrique. C'est parce qu'on a l'impression, là, de la corne du rhinocéros qui fonce. Qui fonce vers l'est, vers la mer Rouge. Euh, et donc voilà, ça représente cette corne rhinocéros. Alors, quatre États se partagent ce territoire, et moi j'en ai rajouté même un cinquième, puisque j'ai un poète soudanais dans cette partie. C'est l'Éthiopie, la Somalie, Djibouti, l'Érythrée. Et mon bonheur, ça a été de découvrir, parce que je ne connaissais aucun écrivain érythréen. Et puis j'ai envoyé un ou deux mails Internet, pour ça c'est formidable, à un ami qui est vécu en Afrique du Sud en lui disant ⁇ je manque de documentation ⁇ Et il m'a envoyé une revue publiée en Afrique du Sud en anglais. Et il y avait dans cette revue un texte, quelques textes de celui que je ne connaissais pas et qui est considéré comme le grand écrivain, le grand poète érythréen du XXe siècle, que nous avons fait traduire, évidemment. Euh, il était déjà traduit du tingrinia en anglais, nous l'avons fait traduire en français. Ce sont les risques d'appauvrissement possibles d'un livre comme celui-ci, mais au moins ça permet à un auteur que personne ne connaît ici euh, d'être découvert. Alors, c'est évidemment un territoire où se déploient quelques-uns des quelques-unes des civilisations, et puis j'allais dire des paysages les plus fascinants de notre planète. Je vais citer par exemple le cours du Nil Bleu, je vais citer les hauts plateaux de l'Éthiopie, je vais citer la vallée du Grand Rift, berceau de l'humanité, les massifs coralliens de la Somalie ou de Djibouti, et c'est là que... Une histoire millénaire s'est inscrite. Alors, cette histoire, elle est parfois chaotique. Elle est, est aujourd'hui assez chaotique, évidemment. Mais c'est un lieu, ne l'oublions pas, et je tiens à le, à le dire, où eh bien, ont vécu pendant des siècles harmonieusement des cultures très différentes, des religions différentes. Les Juifs euh, qui avaient fui euh, Israël euh, et qui se sont installés dans cette région du monde. Les Grecs, les Chrétiens, les Musulmans, et à l'image de la cité d'Aksum, sa capitale, cette capitale cosmopolite, eh bien, je crois que nous sommes là sur une terre de poètes. Ma journée est faite, je quitte l'Europe, disait Rimbaud. L'air marin brûlera mes poumons, les climats perdus me tanneront, disait-il, euh, avant de partir. Je voudrais vous faire découvrir deux poètes. Un poète de Djibouti, il s'appelle Chaem Ouata. Ses quatre livres sont publiés en France, aux éditions de l'Armatan, ça date déjà de pas mal d'années. C'est un homme qui travaille pour le ministère de la Santé à Djibouti. Il est responsable, de, je crois, de la lutte contre le sida et des programmes de vaccination dans son pays. Et c'est un poète du désert. Il est né dans une famille de nomades. Ses parents transportaient le sel. Et il a fait ce métier jusqu'à ce qu'il ait eu la possibilité de, de faire des études et de partir en direction de la médecine. Voici ces deux poèmes du désert. Il y a peu de vent. Pour rassembler nos mémoires à l'autre bout de la peur. Pour goûter le silence du destin des ventres de la terre. Où aller dans l'embrasement de ma solitude. Mon pas est pénible sous un voile de brume, se dévide de la ressemblance, tout écho semblable à l'épaisseur du champ, la proue du boutre, frôle l'écume du soir, en de sable somnambule. Nous sommes là dans une écriture bien différente de celle que nous connaissons. C'est un auteur d'expression française. Comme l'est Abdurrahman Waberi, romancier de Djibouti, poète, dont l'œuvre vit lui en partie en France, dont l'œuvre est assez connue, et qui a obtenu le grand prix de Saint-Malo, celui qui est décerné à Saint-Malo, le prix Louis Guillou pour un roman l'an dernier. Et puis, je vous fais découvrir un auteur que j'ai découvert moi-même, grâce à Internet, un écrivain éthiopien de langue amarique dont j'ai eu la chance de découvrir, parce que je ne lis pas la marique, vous vous en doutez, mais que eu la chance, dont j'ai eu la chance de découvrir une dizaine de poèmes traduits en anglais, et nous les avons fait traduire à notre tour en français. Et nous venons d'apprendre que ce poète, euh, qui était avocat en Éthiopie, euh, a été exilé ou s'est exilé, et je viens d'apprendre qu'il est à Paris. Et donc je le cherche. Voilà. Voilà comment, voilà ce qu'est la vie d'un éditeur. Et vous savez par quoi je vais commencer mes recherches Par les restaurants. Oui, c'est la meilleure manière de faire. C'est sûrement pas avec l'ambassade s'il est, vous voyez, n'est pas en odeur de sainteté. eh bien, c'est plutôt avec les restaurants. Il y a trois, je crois, trois restaurants éthiopiens à Paris. Je vais y aller. Ce ne sera pas désagréable. Et puis je vais euh, arriver avec les poèmes et, et demander si on connaît Amatouma contre le mur. Contre le mur, rouge mat de sang, grêlé comme le visage d'une victime de la petite vérole, les mains liées, il faisait face aux sinistres hommes de la mort. Contre le mur se dressait un rêve doré face au monstre des cauchemars. Contre le mur, le sourire du vainqueur se moquant de la vermine, qui ne savait que massacrer. Contre le mur, notre malheureux pays, pour être abattu par ses propres enfants. Contre le mur, toute mesure, toute pitié, alors que la route tourne et que les assassins sont à leur tour plaqués contre le mur, grêlés par leurs propres balles, contre le mur toute décence, toute histoire pour être abattue à l'aube. Poésie radicale, très simple dans sa simplicité et forte dans son expression. Je n'ai pas besoin de vous dire que je fais un beau métier. Hein voilà. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, hein, quand des enfants me disent Mais c'est quoi ton métier tu, tu dis poète, éditeur de poètes. Alors je peux leur dire, c'est être deux fois pauvre et deux fois riche. Et on comprend bien de quelle richesse il s'agit. Le temps passe si vite, mais comment faire autrement euh, Les grands lacs, la région des grands lacs. Avec d'autres langues que la langue française, bien évidemment. Avec euh, des pays comme la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda. Je pourrais consacrer une journée entière à la littérature rwandaise et à ce qu'elle euh, qu a vécu, à la manière dont aussi les chaos, le chaos de l'histoire et le génocide la transforment, évidemment. Et je voudrais simplement vous dire un mot de cette euh, poète. Ketty Niwabangi, une euh, jeune auteure du Burundi, qui, euh, lorsqu'on tape son nom sur Internet, on se rend compte que c'est une très grande jeune femme. Elle doit faire au moins 1m90. Et dans les manifestations qui ont eu lieu ces derniers mois, on ne voit qu'elle. On ne voit qu'elle. Notamment dans les manifestations de femmes. Et son militantisme, son désir de la liberté. Euh, l'ont poussée si loin qu'elle a dû, il y a quelques mois, fuir le Burundi avec deux toutes petites filles et trouver refuge quelque part euh, au Canada. Trois ethnies. Trois ethnies, trois jolis sourires, trois jeunes destins, trois petites filles, trois éclats de rire qui chatouillent les manguiers. Elles jouent en cercle en se tenant la main. Sandales et peur au vent, trois rêves ludiques, trois chansons. Un, deux, trois, elle sautille, et petite natte se hisse à l'horizon. Un, deux, trois, elle sautille. Six petits pieds se posent sur la terre fébrile, fraîchement violée par ses fils, féconde et porteuse en son sein de l'infâme. Un, deux, trois, et la terminée s'ouvre, rugissante et béante, purulente de petits monstres, et elle avale les trois chansons. Trois petits bouts d'enfance s'envolent en éclats. Trois rêves déchiquetés, trois rires muets, trois destins étouffés, trois boutons de fleurs écrasés, trois chants inachevés. Un, deux, trois pleurs identiques s'élèvent dans un ciel désastré. Trois silhouettes vêtues d'im d'Imvutano pardon, noir s'allonge, cheveux rasés, âme calcinées, Trois mères, trois plaies, trois cœurs fendus à jamais. Ou tout, toutes si, toi. Trois ethnies, une seule agonie, un seul fleuve de larmes qui s'écoule et s'écoule à l'infini. Et ce silence, le silence lourd et écarlate du sang des innocents. Texte magnifique que j'ai confié à Bernard Rascal pour qu'il le mette en musique et que ce poème se charge d'une autre résonance encore avec le chant, avec la parole vive. Et l'enregistrement, voyez, en espérant que la poésie puisse euh, lui donner euh, assez de force pour être euh, protégée par euh, par son écriture. Car euh, les grands poètes, même si parfois ils disparaissent sous le joug des dictateurs, sont aussi. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire des gens que l'écriture protège. En vous disant ça, je songe à Nazim Hikmet. Euh, mais aussi Aragon, Éluard, voilà des poètes qui se sont engagés en France dans la résistance. Mon désir, c'était de publier Ketiniwa Bangui cette année. J'ai même rêvé de la faire venir ici, de publier son livre, mais euh, nous n'y sommes pas arrivés parce que sa vie, je crois, est si difficile que les liens se brisent constamment. Donc euh, je lui écris, elle me répond, tout ça par Internet, et puis elle me dit, je t'envoie te, mes poèmes dans une semaine, et puis six mois passent, et rien n'arrive. Elle a changé d'adresse, même d'adresse Internet. Je me demande ce qui lui arrive. Je cherche dans la communauté brundesque des gens qui la connaissent, qui peuvent renouer le contact. Le contact est renoué, puis il se repère à nouveau. Voilà, je pense aussi qu'elle n'est pas prête. Ces poèmes n'ont pas été publiés, seulement sur des blogs au Burundi, pays qui est bien équipé en matière d'internet. Hein, voilà. Peut-être qu'un jour, c'est avec des liseuses qu'on ira ces poèmes dans son pays quand la paix sera revenue. Euh, mais en attendant, le livre que je voulais faire euh, est toujours en attente. Un chapitre entier a été consacré à un sous-continent, le Congo. Je n'ai pas le temps d'en parler. Là se trouvent d'immenses écrivains. Je peux citer leurs noms. Le plus connu en France, c'est Alain Mabankou, professeur au Collège de France, romancier, mais aussi poète. Il y a un texte de lui dans cette anthologie. Mais je peux vous citer aussi Gabriel au Okunji, qui vit à Bordeaux, qui est infirmier dans un hôpital psychiatrique et l'une des grandes voix de la poésie de cette région d'Afrique. Je peux vous citer Maxime Debeka, dont les livres viennent d'être réédités, et avec lequel je ferai une rencontre prochainement dans une médiathèque, Sony Laboutamsi et puis Chikaya Utamsi bon, voilà, ce sont de très grands noms de la littérature mondiale. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas encore eu un prix Nobel de, de littérature en provenance du Congo. Austral. Là aussi, c'est immense, de nombreux pays. Regardez le sud de l'Afrique, toute l'Afrique australe. Et je ne vais évoquer que deux noms, mais il y en a plus de dix dans cette anthologie. Celui d'Ingrid Juncker, à laquelle Nimrod, que voici, et qui est venu ici, consacre un roman qui sortira dans quelques jours et que j'ai apporté. L'enfant n'est pas mort. Ingrid Juncker, qui est-elle eh Ingrid Juncker est une jeune femme qui est née au milieu des années 30, qui est née dans la communauté afrikaner, dans une famille très riche, dont le père était sénateur, théoricien de la politique la plus raciste qui soit responsable de la censure des écrivains de son pays. Ingrid, dès sa préadolescence, manifeste des dons certains pour l'écriture. À 13 ans, elle a déjà écrit un premier recueil et ses poèmes disent son désir de vivre dans un monde où les noirs seraient égaux, auraient des droits égaux à ceux des blancs un monde qui ne connaîtrait ni la ségrégation ni l'apartheid voilà elle va se heurter violemment à l'autorité de son père à l'idéologie raciste et à la censure qu'il exerce c'est-à-dire qu'elle va cogner sa tête toute sa vie contre un mur qu'elle ne parviendra pratiquement jamais elle ne parviendra pas en tout cas à le démolir ce mur elle publiera bien sûr elle sera même reconnue elle aura des grands prix elle sera reconnue par euh, les écrivains africaneurs de sa génération, elle sera même très proche de John Cope, d'André Brink, euh, l'un des grands écrivains d'Afrique du Sud, elle sera même sa maîtresse. Sa vie se terminera tragiquement à 34 ans par un suicide. Mais, qu'a-t-elle laissé? Elle a laissé un poème, notamment, le poème qui est dans cette anthologie, euh, intitulé l'enfant tué par des soldats à nyanga de quoi s'agit-il d'un fait divers comme il en existait tant dans ce pays une manifestation réprimée un enfant de, un bébé de un an tué d'une balle en pleine tête dans les bras de sa mère évidemment un enfant noir nous sommes dans un ghetto ingrid la prend par les journaux elle devient folle elle prend sa voiture elle brave interdit checkpoint Etc. Et elle parvient avec sa voiture dans ce ghetto où les Blancs n'entraient pas. Et elle y va pour prendre cette mère dans ses bras. Et l'on reviendra avec un poème, celui que nous publions, qui a fait l'objet déjà de plusieurs publications, qui a fait, je dirais, presque le tour du monde, ce poème. Et c'est à l'histoire de ce poème que Nimrod consacre son roman mais il le fait en entrelaçant deux histoires celle d'ingrid et celle de nelson mandela qui en prison lit des poètes pour tenir le coup qui tient le coup par la poésie et qui garde une foi euh, je l'ai dit euh, dans un monde métissé et une foi peut-être en, en l'homme blanc grâce à ingrid juncker et lorsque nelson mandela sort de prison et que les premiers micros se tendent devant lui ce qu'il dit de mémoire, c'est le poème d'Ingrid Juncker. Et plus tard, lors devant le Parlement, lors de son investiture, on a suivi il y a peu une, une investiture, n'est ce pas? Vous voyez? Nelson Mandela, la première chose qu'il a fait devant le Parlement, c'est de lire, c'est de dire ce poème d'Ingrid Juncker et d'expliquer aux parlementaires de son pays pourquoi cette voie est fondamentale pour l'avenir du pays. Voilà. J'avais prévu de vous lire ce passage, c'est absolument magnifique. Malheureusement, je n'en ai pas le temps. Il est presque 16 heures. C est, c est... Je peux continuer Je continue. Alors, alors, je vous lis le poème. Et je le lis dans le roman de Nimrod, parce que évidemment, ce texte est présent, et je vais vous lire même un tout petit passage de ce roman. Nous sommes au début du chapitre 3. L'hémicycle est électrique. C'est un peu fou. L'hémicycle est électrique. Les députés africaneurs se sont redressés. C'est l'heure du nuancier des races et des peuples. Le visage de Mandela est impassible. Il semble proclamer « Ne vous alarmez pas, je ne vous veux aucun mal ». Puis sa voix s'élève. L'enfant n'est pas mort. L'enfant lève les poings contre sa mère, qui crie Afrique, crie l'odeur de la liberté du Veld dans les townships du cœur ceinturé. L'enfant lève les poings contre son père au défilé des générations, qui crie Afrique, crie l'odeur d'équité, de sang dans les rues de sa fierté guerrière. L'enfant n'est pas mort, ni à Langa, ni à Nyanga, ni à Orlando, ni à Chaperville, ni au poste de police de Philippi où il gît une balle dans la tête. L'enfant est l'ombre des soldats, en faction avec fusils blindés et matraques. L'enfant est de chaque meeting, de chaque loi. L'enfant lorgne par les fenêtres et dans le cœur des mères. L'enfant qui voulait simplement jouer aux soldats à Nianga et partout. L'enfant devenu homme traverse toute l'Afrique. L'enfant géant voyage de par le monde sans laisser passer. Un texte superbe euh, traduit de lafrique euh, par Georges Lorry qui est le même qui est le traducteur de Brighton, Brighton Back, un auteur sud-africain que j'ai eu la chance de publier il y a deux ans. Voilà, ça s'appelle donc l'enfant n'est pas mort. Il sera en librairie dans quelques jours, mais il est là en avant-première. de Nimrod Alors nous arrivons nous arrivons en bas de cette Afrique, tout à fait au sud de cette Afrique. Mais le voyage n'est pas terminé, puisque nous avons décidé de le poursuivre en bateau en direction des îles Vanille. Alors les îles Vanille, on les nomme ainsi, cette, euh, il n'y a rien de péjoratif à cela. Les îles Vanille, ce sont ces territoires euh, de euh, l'océan Indien, où la culture africaine, si proche à essaimé, Madagascar. Évidemment, vous voyez la grande île sur cette, euh, sur cette carte, Madagascar, et puis à côté, ces îles minuscules à la surface de la Terre, mais qui sont comme des points, mais qui sont aussi des points serrés. Hein. Simplement, j'écris points différemment, et qui sont l'île Maurice, la Réunion, Mayotte, et les Comores, et les Seychelles. Alors, nous avons fait appel à des poètes de tous ces territoires. Et je n'en présenterai qu'un, et quelqu'un avec lequel peut-être je viendrai ici dans quelques temps, parce que c'est une voix magnifique de la poésie mauricienne. Elle s'appelle Ananda Devi. Ses romans sont publiés chez Gallimard dans la collection Blanche. Elle est de famille... Ses parents étaient d'origine indienne, mais elle a connu la proximité de la culture africaine elle connaît l'exil et je voudrais vous lire simplement un poème qui figure dans ce livre qui va paraître dans euh, un mois, Ceux du large. Ceux du large, c'est le cri que Ananda Devi pousse en voyant devant son téléviseur, comme, comme nous tous, le spectacle terrible de, des migrants à notre porte. Et elle qui a connu l'exil, elle vit aujourd'hui à Ferney-Voltaire et qui a connu l'exil dans son histoire. Je vous ai dit que ses parents étaient d'origine indienne. Et bien, est déchirée par, euh, par ce spectacle, et elle nous livre un texte magnifique. Et un jour, alors que l'on parlait de son poème, elle me dit, tu sais, j'ai commencé à le traduire en anglais. Parce qu'en en fait, les migrants en question, ils lisent l'anglais. Ils ne lisent pas le français. Et puis je l'ai revu un mois après. Et elle avait fini sa traduction en anglais. Et puis elle m'a dit Tu sais, je vais l'écrire maintenant en créole mauricien. Pour que les gens de mon pays qui ne lisent pas la langue française et, et en tout cas qui sont d'expression créole puissent y accéder. Et nous le publions dans les trois langues. Alors je vous lis simplement un poème. Un poème qui est à rebours de ce que raconte le court recueil. Ceux du large, ce sont ceux qui ont quitté leur terre et qui cherchent asile ici. Mais. Elle, elle, nous dit ce poème, elle a les yeux clairs d'une jeune première, elle a 16 ans, du haut de son narcissisme, elle sourit triomphale. Elle a voulu partir, partir où Vers la guerre, pour être une héroïne sans doute, puisque longtemps déjà elle vivait son propre roman. Souriant pour l'éternité sur sa photo, elle s'en est allée, triomphale, droit dans le piège tendu. À son arrivée, ils l'ont emballée dans un suaire de sang, tandis que les gueules se refermaient sur sa jeune chair sucrée, si bien masquée, seuls ses yeux témoignaient. Consternés par sa stupidité, ceux qui voient sa photo dans les journaux ne se souviennent plus qu'ils ont été jeunes jeunes et idiots, mais à eux la bêtise n'a pas coûté la vie. Adieu jeune fille, adieu samra, pauvre naïve éblouie d'inconnu, adieu petite reine. Voilà ce que les écrivains peuvent dire hein, de la complexité du, du monde dans lequel nous sommes, et ce texte c'est évidemment celui que nous avons retenu pour notre anthologie. La Caraïbe. La Guyane, les Antilles françaises, la Martinique, la Guadeloupe, Haïti. Et puis, bien entendu, la petite île de Sainte-Lucie, où vit un prix Nobel de littérature, Derek Walcott. Tous ces auteurs sont présents dans cette anthologie. On commence avec, Léo, avec Léon Gontran Damas, le grand poète guyanais, qui... Est à l'origine du mouvement de la négritude, avec Léopold Sédar Senghor et avec Aimé Césaire. Et donc là, c'est euh, le rythme de l'Afrique qui euh, pulse dans ses veines et dans son cœur. Ils sont venus ce soir pour Léopold Sédar Senghor. Ils sont venus ce soir où le tam-tam roulait de rythme en rythme la frénésie des yeux, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue. Depuis combien de mois, moi, moi, sont morts, depuis qu'ils sont venus ce soir où le tam tam roulait de rythme en rythme, la frénésie des yeux, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue. Léon Gantran Damas, la très grande voix de la poésie guyanaise. Euh, et puis, celui que j'avais invité ici même il y a un an et demi, mais qui était malade. Un monsieur qui a 88 ans, Anthony Phelps, grand poète haïtien, qui a choisi Montréal comme lieu d'exil sous la dictature de Duvalier. Et qui, euh, dont je viens de publier d'ailleurs un dernier livre récemment, qui est passé il y a quelques jours dans l'émission euh, euh, page 19 sur François, l'émission de Daniel Picouli. Voilà et qui nous fait entendre alors une voix un petit peu différente, parce qu'il dit ⁇ Non, 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 je ne suis pas d'Afrique. ⁇ Non, non, non. Je ne suis pas d'Europe. Je suis de la Caraïbe. ⁇ Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, parce que le temps passe. Mais ça, c'est un regard très intéressant. Il n'ignore rien du débat sur les origines, bien entendu, africaines d'une partie de ses ancêtres, parce que le métissage, vous le voyez sur son visage, est important le concernant, et vous l'entendez aussi à la consonance de son nom, Anthony Phelps. Voilà. Mais euh, lui tient à dire qu'il y a cette identité caribéenne, et je crois qu'il y a là quelque chose de très très intéressant. La Caraïbe, j'aurais dû amener une carte, quand on regarde la carte, ça fait un arc de cercle, un arc. Il ne manque que la flèche. Où cette flèche serait-elle pointée C'est pas en direction de la Floride, c'est en direction de l'Afrique, de l'autre côté de l'océan Atlantique, parce que les écrivains de la Caraïbe ont une conscience aiguë de leurs origines africaines. Ils savent ce qu'ont été les conquistadors, n'est-ce pas L'extinction des peuples amérindiens, les Taïnos. Et la nécessité dans laquelle se sont retrouvés les colons, les conquistadors, espagnols, portugais, français, etc., de faire appel à une main-d'œuvre qui avait disparu. Et donc, il y a l'invention abominable du commerce triangulaire. Et donc, euh, ces écrivains ont une conscience aiguë de leur histoire. Mais je crois aussi, pour les fréquenter assez régulièrement, qu'ils ont une conscience aiguë de ce qu'est l'avenir de la Caraïbe. Pourquoi Parce que c'est une mosaïque extraordinaire de cultures, de langues, d'États, on y parle un grand nombre de langues. Il y a une complexité identitaire qui fait que le vivre ensemble est une chose normale. Et je crois qu'aujourd'hui, les écrivains de la Caraïbe portent l'espoir d'un nouveau vivre ensemble et que l'arc-en-ciel des langues et des cultures qui s'y déploient nous rappelle que le métissage est la condition même de la vie américaine. C'est sur ce chapitre que nous terminons notre livre. Huit auteurs quatre hommes, quatre femmes. La première femme, elle écrit en 1780. Elle s'appelle Phyllis Watley. C'est une esclave affranchie. Elle a écrit des poèmes. Évidemment, c'est très éloigné de, de la poésie d'aujourd'hui. Mais c'est intéressant et nous avons voulu vraiment rappeler que, voilà, à la fin du XVIIIe siècle, une femme noire a écrit des textes aux États-Unis. Et c'est un texte adressé au très honorable William, comte de Darmours, principal secrétaire d'État de Sa Majesté pour l'Amérique du Nord. Et le livre se termine avec une autre femme. Celle-là, vous la connaissez, Tony Morrison, immense écrivain. Et alors on oublie que Tony Morrison, vous savez, les romanciers aussi sont habités par la poésie. Et donc ce texte, nous l'avons trouvé dans le prologue de Home. Euh, ce roman qui est paru en 2012 aux éditions Christian Bourgois. Et je termine mon propos par la lecture de ce texte, parce que je crois qu'il parle à peu près de tout ce qu'on vient de dire. À qui est cette maison À qui est cette maison À qui est la nuit qui écarte la lumière à l'intérieur Dites, qui possède cette maison Elle n'est pas à moi. J'en ai rêvé une autre, plus douce, plus lumineuse. Qui donnait sur des lacs traversés de bateaux peints, sur des champs vastes comme des bras ouverts pour m'accueillir. Cette maison est étrange. Ces ombres mentent. Dites, expliquez-moi pourquoi sa serrure ne correspond pas à ma clé. Voilà. Je m'arrête là en vous priant d'excuser mon manque de concision. Je n'ai fait que vous embarquer dans quelques-unes de, des curiosités de ce livre. Il y en a encore beaucoup d'autres à découvrir. Euh, je termine avec l'affiche du Printemps des Poètes, réalisée par un artiste burkinabé. Vous en avez les dates, du 4 au 19 mars 2017. Euh, ce sont des centaines et milliers de manifestations qui se préparent partout en France et au-delà. Je trouve que c'est un thème dans le monde d'aujourd'hui extrêmement réjouissant et qui permet de poser vraiment, un peu comme je l'ai fait aujourd'hui, une parole forte, habitée par des valeurs, par une histoire, des combats, mais aussi beaucoup d'espérance. Voilà, merci à vous.